Alors, j'avais besoin de résoudre des problèmes personnels déjà. J'étais vraiment en grand questionnement. Ça m'a aidé à y voir un peu plus clair. Ensuite, j'avais besoin de passer à l'action et j'avais besoin de me concentrer sur moi-même et me reconnecter à moi-même. Ça, je voyais bien que j'en avais vraiment besoin, qu'il fallait que je retrouve le calme en moi et j'avais pas la méthode, j'arrivais pas à le faire toute seule. Je sais que moi, quand j'ai besoin de changement, il y a certaines choses, j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin qu'on m'aide. Ça faisait très longtemps que je voulais faire de la méditation et que je testais, j'essayais et que j'étais pas récurrente. Donc là, et puis je me suis rendue là, j'ai pu, grâce à ton aide, et aujourd'hui, j'arrive à faire toute seule de la méditation. Mais je vois la différence si un jour je médite pas, je vois bien la différence avec le jour où je le fais. La journée n'est pas pareille. La première chose que ça t'a apporté, c'est de la régularité par rapport à la mise en place d'une habitude de méditation quotidienne. Exactement. Et aujourd'hui, je suis capable de méditer toute seule. Waouh, ça c'est très fort. Donc, ça m'apporte aussi la méditation, ça m'a aussi apporté de m'écouter. Et alors à la suite de ça, j'avais décidé que je m'inscrirais à la piscine, que j'irais faire du sport. Et là, j'ai vraiment mis dans mon agenda que tous les mercredis soirs, je vais à l'aquaboxing. Ça fait 2 séances que je fais. Donc, je me dis qu'il va me falloir certainement 3 mois pour que ça soit bien ancré. Mais c'est pas grave, maintenant que je sais comment je fonctionne, ça ne me gêne pas. Et alors, tu nous as challengé pendant ces 3 mois. Du coup, j'ai réfléchi sur une offre, j'ai réfléchi sur ma façon de me présenter, pourquoi je voulais faire tout ça. Je me suis mise en action et j'ai aussi pris conscience que j'avais une très mauvaise organisation. Et là, je suis en train de travailler ça, mon organisation. Mais j'ai compris que la gestion du temps, c'était aussi une gestion d'énergie. Alors, de savoir que tous les matins, j'avais une petite méditation, et à mon réveil, j'avais une méditation qui m'attendait, et de pouvoir chaque jour mettre un commentaire et qu'il soit lu et que derrière, tu nous répondes, comme ça, tu ne te sens pas seule dans ton coin. Sur les ateliers, alors, j'ai été assez bluffée parce que moi, j'avais peu de mal avec tout ça, très cartésienne. Et j'ai été assez bluffée lorsque l'intelligence collective nous a, quand tu nous demandais de faire de la méditation tout ensemble et qu'il m'apparaissait des choses qui étaient, et dans lesquelles tu pouvais après interpréter. Donc c'est vrai que ça m'a quand même assez bluffée parce qu'à chaque fois c'était vrai. J'ai aimé tous les ateliers parce qu'ils étaient différents. Qui m'a apporté à chaque fois quelque chose. Où j'ai été aussi très surprise, c'est que tu nous as vraiment emmené. Je ne pensais pas qu'on pouvait aller travailler comme ça un objectif par la méditation. Et ça, franchement, ça m'a bluffée parce que ça nous permet vraiment de réfléchir et de mettre des actions en place et d'arriver à un objectif. Donc ça m'a bluffée.